Qu'est-ce que j'entends, moi? Attends. Il y en a... Ouais.
Déjà, je tiens à m'associer à Kino, à Kezia, pour vous remercier de votre présence, d'être venu les accompagner dans cette étape de leur vie à deux. Ce soir, ils ont décidé de s'unir par les liens du mariage. Ils ont désiré et de leur union. On dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Après l'avoir muté, il a décidé de l'épouser. Je vais maintenant laisser la parole au témoin. Fran, c'est à toi. C'est un immense honneur de pouvoir évoquer un peu de ce que les mariés nous apportent. Car en nous invitant à leur plus beau jour de leur vie, ils intègrent ici tous leurs proches, dont j'ai la chance de faire partie. Il suffit de jeter un œil autour aux personnes présentes pour voir à quel point vous faites rayonner de bonheur. Au nom de tous, je voulais vous remercier de nous faire participer au plus beau jour de votre vie. Merci également de m'avoir choisi comme témoin. Merci. Heidi? Pardon. Merci, ma soeur. Je te connais depuis peu de temps, mais nous nous sommes très vite bien entendus. J'ai aimé que tu sois présente pour moi. Je peux dire sans hésiter que tu es une personne au grand cœur, avec une belle âme, et que tu as tout pour rendre heureux mon frère Okino. C'est toujours avec un grand sourire que je réponds à tes messages, que j'aime passer du temps avec toi, et je suis très fière de vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et plein de petits Kezia et Kino. Je vous adore. Merci. Ça tombe. Heidi? Bisous. Il faut que je lise. Merci beaucoup, Elsa. Mathurin? Et moi? Bisous. On te laisse la parole. Merci, merci, c'est gentil. Alors, que dire de beau? Mon frère, j'ai attendu ce grand jour avec tellement d'impatience. C'est aujourd'hui le jour J. Ce matin, j'ai monté l'abri atomique. Parce que j'ai vu que General Motors avait sauté. Même Miguel a rigolé. Je suis très ému d'être là ce soir. En tant que témoin, j'ai eu le plaisir de rencontrer la plupart d'entre vous pour la première fois cette semaine. Avoir tant d'amis et de membres de la famille se réunir pour cette cérémonie, j'ai réalisé que les gens feraient à peu près n'importe quoi pour un grand repas gratuit et un bar ouvert à tout le monde. C'est pas faux. Mon frérot, je n'oublierai jamais le jour où on s'est fait arrêter pour grossière indécence dans le dortoir des filles. Je vous passerai les épisodes de Camfrog, des pâtes ou des kebabs. Sauf si vous voulez que j'en parle. Bon, allez, on va arrêter les blablas habituels. Je ne sais pas faire de gnangnan. Depuis que mon frangin a rencontré sa chérie Kezia, ils vont maintenant s'unir devant nous, il revit. Il est super heureux. Lui qui ne voulait jamais se marier sur SL, ni avoir de bébé sur SL. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Enfin bref, il a enfin rencontré une femme qui lui correspond. Qui sait le canaliser. Enfin, il était temps. Oups, pense à voix. Que votre vie et celle soit longue et heureuse, sans drama autour de vous. Vive le milieu francophone. Je suis fier d'être son témoin en ce jour mémorable, rempli de joie, de bonheur. À force de parler, j'ai soif. Quand est-ce qu'on boit un coup? Non, sans déconner, soyez heureux. Merci, mon. Merci. Rasta, à toi. Oui, c'est moi. Alors, bonjour à tous et à toutes.
Que dire de beau, donc tu es devenu de pote à frère et tu es maintenant mon beau-fils. Tu es devenu maintenant mon beau-fils. J'ai entendu ce grand jour avec impatience. C'est aujourd'hui le jour où tu m'as demandé d'être ton témoin. Je suis alors, je me suis demandé et posé la question à quand tu trouverais la femme de ta vie sur SL. Mais tu as trouvé depuis que tu as rencontré ta chérie Kezia ici présente. Tu as repris le sourire et aussi la joie et celle de réussir à te canaliser, à te cerner et de rester ici pour vivre le grand amour. Toi qu'il était toujours, je ne veux pas avoir de bébé et de les entendre pleurer et de leur changer leur couche, sinon je vais les mettre dans le congélateur. Bien sûr. Pour finir et terminer, c'est quand qu'on va boire un coup et qu'on mange le gâteau. Allez, pour terminer, prenez soin de vous deux, ouais, de vous trois, et soyez très heureux. Merci. Si. Voilà, mon discours, je l'ai voulu court parce que exceptionnellement, j'ai décidé d'offrir la parole à quelqu'un d'autre. Il y avait un message important à vous remettre aussi. Alors Mimi, c'est à toi. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous voir tellement nombreux présents en ce jour si important pour mon fils Kino. C'est pour moi le moment idéal pour te dire, mon fils, à quel point je suis fière de toi. Je ne suis peut-être pas objectif, mais il est certain que pour moi, grâce à toi, j'ai connu la joie et je le souhaite à ta femme, Kezia, de vivre elle aussi cette expérience unique, autant de fois que vous l'aurez décidé ensemble. J'ai assisté au début de votre histoire, à vos joies. J'ai vu aussi faire grandir votre amour et construire ce lien qui est aujourd'hui si fort entre vous. C'est pour cette raison que je suis convaincue que Kezia sera prendre soin de toi et qu'elle sera une épaule sur laquelle tu pourras t'appuyer en cas de besoin, tout comme toi, tu le seras pour elle. Aujourd'hui, vous êtes heureux tous les deux. Vous allez devenir mari et femme et vous apprêtez à commencer un nouveau chapitre de votre vie. Je souhaite simplement vous dire que l'un comme l'autre, vous pourrez compter sur moi pour être présente dans vos vies. Je ne perds pas mon fils, je le sais, car je gagne une femme formidable que je suis fière d'accueillir dans ma famille. À toi, mon fils, je te souhaite d'être un excellent mari et un papa responsable, aimant et fort. Et tous les deux, je vous souhaite tout le bonheur de ce monde avec Miguel. Merci. Alors maintenant, on va laisser la parole au futur marié. Je laisse la parole à Kino. Kezia. Mon amour. Chérie. C'est dur. Hein. Ma pixeloise, si je puis dire maintenant ma femme, SL. Depuis ce concert que j'ai donné par hasard qu'à l'issue de celui-ci, nous avions commencé à échanger quelques mots, quelques rires. Nous ne nous sommes jamais quittés. Nous ne savons pas très bien d'ailleurs où nous allons dans cette aventure amoureuse virtuelle. Mais ce qui est beau, c'est que nous y allions ensemble depuis le premier jour de notre rencontre. Alors les heures se sont succédées en éclats de rire, en émotions, en moments charnels et aussi en pleurs et en souffrances. Mais tout cela, mon cœur, c'est simplement la bonne recette d'un amour indiscutable. Il ne peut y avoir de douleur du cœur sans sentiment. Il ne peut y avoir émotion sans passion forte. Il ne peut y avoir un couple sans désaccord, sans contradiction. Avec deux éléments identiques, tu ne peux jamais rien faire évoluer. C'est ça l'équilibre. Et cet équilibre-là, eh bien, il est important pour durer. Il faut toujours rire de nos querelles et ne jamais, au grand jamais, laisser le silence s'installer entre nous. Nous sommes comme ces deux brindilles mortelles dont la flamme de notre passion a engendré un feu qui dure. Alors, je suis quelqu'un de spécial, spécialement pour toi, toi qui m'as tant donné depuis le premier jour.
toi qui, sans retenue, m'as suivi dans mon itinéraire artistique, notamment, et surtout, toi qui as accepté de rentrer dans cette famille dont les sœurs et les frères surgissent de nulle part chaque jour, jusqu'à ta liste de contacts, j'en conviens. Ce qui, en tout cas, ce que tu fus ne m'intéresse guère. C'est ce que tu es aujourd'hui qui nourrit ma passion. Alors, pour finir, muter quelqu'un par hasard au final, bah, c'est peut-être pas un hasard. Et puis, comme le hasard fait bien les choses, alors ma femme, devant cette assemblée réunie, pour nous justement, spécialement pour nous, devant les témoins, laisse-moi te dire merci pour ta générosité, d'essayer de me faire confiance sans jamais douter de moi, et surtout de te mettre en danger dans ta vie RL pour cet amour humain qui est né dans ce monde virtuel, mais où les cœurs sont bien réels. Je t'aime, ma femme. Je t'aime, mon cœur. Si tu voulais me faire pleurer, c'est rien. Kézia, à toi. Putain, on va prendre derrière ça. Bah avant de commencer devant tout le monde, devant nos amis, notre famille, je tenais à te dire combien je t'aime. Alors que tout a commencé le jour où ta mère nous a TP pour un concert d'un certain monsieur Kino. Je suis venue, je l'ai écouté. Et j'ai écouté une voix qui chantait et qui m'a emportée. Un petit IM sans réponse. Puis là, à la fin du concert, on a parlé en voice. Et tu m'as annoncé que tu m'avais muté sans savoir la raison de ce mute. On en rigole encore. Depuis ce jour, nous avons passé nos soirées ensemble et nos journées, nos soirées ensemble. De notre amour est né notre fils, qui nous comble de bonheur et de joie. Notre histoire a commencé sur le quai d'une gare. Tu chantais et tu m'as fait monter sur ce train, le train qui nous a conduit à ce jour où je vais être ta femme. Et pour ne faire qu'une et même personne, un nous. Pardon, excusez-moi. Je t'aime de tout mon cœur et devant tout le monde, je le crie haut et fort, combien je t'aime. Je le crie devant l'univers qui n'est pas assez grand pour contenir mon amour envers toi. Je t'aime, mon amour de ma vie. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi. Alors, j'aurais une question. Qui donne cette femme pour épouse ? Théo, t'as pas quelque chose à répondre? Théo? Ok. Oh, il est sans vous. Vivi, je suis là. Qui donne cette femme pour épouse? De l'aimer, de la respecter, de la soutenir dans les joies et les peines. Oui? Allô, Kino? Désolé. Okay. J'avais coupé mon micro sans hésitation, oui. Ok. Tu t'as commencé à me faire peur, la vache. Mais je suis ému, alors j'ai coupé le micro. Kézia, veux-tu prendre Kino ici présent pour époux, de l'aimer, le respecter, de le soutenir dans les joies et les peines? Un grand oui. Devant votre famille, vos amis, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Bisous, mon cœur. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Très heureux. Magnifique. Messieurs et mesdames, je vous présente monsieur et madame Aboma. Merci tous d'être là.
Merci à tous d'être venus, d'être là, dans ce moment important. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon, bah, on va pouvoir boire un coup maintenant. Maintenant, c'est possible. Non, mais ça, c'est toi qui fais ça. Putain, je m'avais fait le monde. Je
t'invite à passer aux photos, suivez-moi. Est-ce le diable qui sait s'incarner pour détourner ses yeux du Dieu éternel? Il y a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel, la désirée. Quand elle reviendra, elle prendra sa place. Allez, mettez-vous. Mettez-vous. Installez-vous. Mimi, attends. Ouais, mets-toi à côté de Kizia. Père Mathieu, range tes boules, s'il te plaît. T'as pas besoin de sortir des boules. Chut. Eh oh. Je vais me mettre à quatre pattes, là. Oh, pardon. Qui va se tromper de boule. Il reste deux boules, homme, de vide. Allez les hommes, on s'y met, les femmes, pareil, même si vous prenez la boule des hommes. Oui, on s'en fout, hein, tant qu'il y a quelqu'un sur la boule. Allez maman, tu prends la boule. Bon, Malika, t'as une grande boule, ça revient. Allez, le... On t'attend, là. Allez, pourquoi vous êtes trop... Malik est rendu dans l'herbe aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai fait quoi? T'es où toi? Une boule bleue. Allez. Monte sur la boule. Monte sur la boule. Sérieux, j'ai une tête de mec moi? Oh. On s'en fout. Rastou, vous n'avez pas une boule à me prêter que j'ai l'air d'un homme un peu, s'il vous plaît? Mimi, tu t'assois. Allez, belle maman. La dernière qui reste. Elle a pris un coup de lag, je crois. La boule derrière moi. Alors, on l'a tous là, le coup de lag. Vas-y, cœur. Il y a comment ça s'appelle? On avait mis un thème. Il y a tout le monde est en rose. On m'a dit de prendre la babale. Oh, ne voulez faire exprès, Kézia.
bien, bah on aura. On a laissé Miguel tout seul. Oh, je suis en train de blaguer. Bah ouais, tout à l'heure, il jouait avec les bougies et les fils électriques. Hein. C'est normal. Bon. Va chercher ton fils. De merde. Il reste une, il reste une place, hein. Voilà. Ouais, fiston, bouge. Oui, c'est vrai, fiston. Là, j'arrive. Là, sur la four. Allez. Ah. Allez, fiston. Faites sur une boule. Allez, la belle fiston. Je les voyais en fait. Je vais prendre le vélo. T'as qu'à avancer, tu les verras, tes boules. Tu veux un microscope et une pince à épiler. Cherche pas trop la merde, faut te taper. Allez! Attends, je charge, Boud! La nerveuse! Putain, j'arrive pas à me lever, bordel! Je viens d'arriver, lui! J'arrive après le. Oh là 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 là! Ah, j'ai sauté sur une boule! J'en ai marre! Gary, il reste une place pour toi! Vas-y! Moi, je vois pas, je vois que des nuages! On monte sur les boules, pas les miennes, hein. Vous êtes par là. Ouais. Visez les bonnes boules, ouais. Normalement, je vais du côté de tes pieds. Malika, non, mais c'est plus moi. Mets-toi à côté de Mimi. Mets-toi à côté de Mimi. À côté de Mimi. On a oublié les noms. C'est ma femme qui lag. Ah, pardon, c'est ma langue à la fourchette. C'est parce que je commence à avoir la dalle et à avoir soif. Ah, ouvrez les bouteilles, Alan, on arrive. Oh, oui. Alan! Il n'entend pas, il a pas de voice. Ah merde! Et l'autre à côté. Ouais, lag. Ah, le lag, le lag. Juste fais gaffe. Il y a Franny que je vois en nuit. Ton doigt et surtout ramasser. Voilà, les chargés. C'est dangereux ici. Hein. Bah, j'aimerais bien que tu les mariés. Bah, Fran ne bouge pas. Fran ne bouge pas. Ah merde, j'ai trop tard, je suis descendue. Elle peut bouger. Bon, okay. C'est bon, hein, bien. Ah, mais bien. Ah, oui, si tu peux. Je me vois. Agnès, elle est où là? Je sais d'autres TP. Mimi, t'aurais pas dû descendre parce que les témoins et la famille, tu fais partie de la famille. Là-bas, t'es en place. Ouais. Ah, mais il n'y a pas assez de boules pour la famille. Elissa, la famille, la nièce, tout ça, c'est où? Ah ouais, Lio, il n'y a pas assez de boules pour la famille avec l'oncle, la tante de la nièce d'une veuve. Ah, le cousin Germain. Ah oui. Oui, peut-être. Rasta, t'es rappelé sur la boule bleue. Rasta. Putain, elle comprend vite, mais il faut y expliquer longtemps. Hein. Oh là là, j'arrive même pas. Ah, t'es-y, elle se juste devant toi. Il y a quelqu'un à côté là. Et il est en train de vider le bar, il est en train de chucher tout le whisky, mon. Ouais, c'est ça, vous allez arriver, il va y avoir plus rien. Faut faire hygiéneuse. Je vois Kezia dans plusieurs morceaux. Ah, tu me vois en kit? Ouais, mais carrément, je te jure. Et joue à Monsieur Patate, la bonne idée. Rasta. Ah bah attends, il vient de se recouvrir. Je viendrai après. Ma femme, on dirait la sainte. Je crois qu'elle est belle et rayonnante. Oh, tu t'éloignes, Fran. Je sais, mais je vois rien, donc. Bah sinon, au pire, on fera cette photo-là demain. Vous revenez tous demain à une heure précise pour faire juste la photo. Ouais, c'est au moins les témoins, quoi. Le problème, c'est qu'il va falloir vous rhabiller pareil, quoi. Bah, c'est rien, on va se rhabiller comme ça, t'inquiète pas. On mettra la machine après. Ok, ça marche. De toute façon, demain, il y a le rebond, faut venir finir les bouteilles. Ouais, c'est... et le gâteau. Non, mais ça fait déjà 3 jours qu'il est là. Non, Malika, elle voulait faire une photo avec les maris. Non, mais j'en ai fait une. Non, j'en ai pas fait, j'ai fait avec les boules bleues. Bah, donc, si, bah, donc, t'as fait. Bon, on fait quoi là? Donc, voilà! Bon, bah, on se lève alors! Allez! Voilà!
Pour Danette, Danette. Non, pour boire un coup, t'es ouf ou quoi, toi? Le gâteau. Retenez Malika, elle va tout manger. Et même pas moi, je vais même pas encore renifler le gâteau, quoi. Eh ben, renifle pas, tu vas mettre des miquets dessus. Pour l'instant, tu peux aller gérer le hot, chérie. Tu lui annonces, frère. Tu lui annonces ça comme ça pour aller sur son. Tu vas m'asseoir dessus. Sur la table, pas le gâteau. Oui, je sais. Je peux m'asseoir dessus. T'inquiète, je suis, chérie. Bon, faut que tu le perdes. Oui, elle fait des voltiges. Pour moi, c'est comme bruit, mais je suis désolé. T'as ta soeur derrière toi, ma chérie. Fais gaffe. On découpe le gâteau, hein, s'il y en a qui veulent faire des photos. Coupe, coupe, coupe. J'ai du mal à prendre ça. Bah, encore un nouveau membre de la famille, hein, chantier, beau frère. Hein. Le nouveau nom, c'est pas pour moi. Ça pousse tous les jours. Enchanté, monsieur Marzec. Ah non, là, c'est un de Non, c'est Matrix, c'est pas Nunu. Mathieu, toi, tu mériterais des pires fesses. Hein. Non, mais par contre, vous pouvez laisser une autre carte aux mariés sur la table. Ah, regarde, t'as vu. J'aime bien, moi. Oui. Quoi? Tu veux lui mettre un pire fesse? Non, pas tout de suite. On va boire un coup. Hein? Voilà. Ça, mange un coup là. Mange un à la tienne, ma femme, et à tout le monde. À la vôtre. Ouais, à la tienne. C'est pas ça. Au dingue du jour. Il pédale plus vite, allez, reste à pédale plus vite, allez. Vous faites une photo avec Miguel. Laisse-le, Spop, tu vas être au courant dans pas longtemps, parce que je vais avec les fils électriques. Quand t'as dit on boit un coup, j'ai pensé à une gesture. T'as la diapéro pour revoir tout, ne pas en avoir rien. Parce que j'ai déjà dans les mains, j'ai déjà le whisky. J'ai pas très soif. Le matin, elle a tout volé. C'est une famille de pêcheurs. Donc on a dit le bar est ouvert. C'est ça, ouais. Non, c'est bon, je suis en train de manger. Pas maintenant, moi je suis à l'apéro seulement, moi je suis au whisky. C'est ce qu'on dit, les gâteaux apéro. T'as mis ma stream, frérot? Yep. Ok, je vais devoir chanter une chanson à ma femme. Bah, il serait peut-être temps. Ouais. Après, non, vous ne parlez pas avec votre regard. Non. Chut, chut, Eve, et je te bouscule. Tu travailles pas, hop. Je me lève et je te bouscule. Je te pète les rotules, comme d'habitude. Bon. Alors. Ramasser tes dents sur le pasteur. Comme d'habitude. Qu'est-ce que je change vraiment? Arrête. Oui. Oh. Ben si, chouchou. Les chaussures, elles partent en travers. Tout nu dans l'escalier. Non, c'est pas ça. Où c'est que tu vois des escaliers? S'il faut que ça, je te les fais en prime. Alors, je vais mettre la stream. Chut.
un petit peu de silence. Il y a Kino qui va chanter une chanson pour Kezia. Chanson ou une chanson? Chanchion. Ça va venir. Alors le son il est pas terrible. Je ferai l'été en novembre. Je la réchaufferai pour pas qu'elle tremble. J'inventerai les mots du silence. Je lui ferai du bleu sur des mots tendres. J'apprendrai à vivre autrement, à sa façon et loin des gens. J'irai chercher l'inaccessible, l'infiniment sentimental pour elle. Pour elle. Pour elle. Profond des rêves qu'elle fait lorsqu'elle est endormie, chercher ce que jamais ses lèvres n'oseront dire à ses envies. J'arracherai les habitudes et les moments qui font douter. Détruire les incertitudes sans se parler pour elle. Pour elle. Pour elle. Oh. Pour elle. J'irai au bord de l'invisible. L'amour tient en équilibre. Pour elle, j'oublierai qui je suis. J'écouterai tout ce que son cœur dit. J'irai voler l'indispensable. Extrême sentiment d'aimer. Je jetterai tout mon passé pour faire de nous mon avenir, peut-être simplement pour s'aimer, peut-être pour ne jamais mourir, pour elle, oh pour elle, pour elle, oh. J'irai au bord de l'invisible, où l'amour tient en équilibre. Pour elle, j'oublierai qui je suis. J'écouterai tout ce que son cœur dit. J'irai voler l'indispensable, l'extrême sentiment d'aimer. Pour elle. Qui souvent s'efface ou qui s'enfuit pour elle. Pour elle. Pour elle. Oh, pour elle. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop dégueulasse le son. M'avoir permis de chanter cette chanson. Et je te la dédie à toi, mon amour, évidemment, pour toi, mon amour. Et que la fête commence.
Je vous rappelle que vous avez, je pense que Candice a bien organisé. D'ailleurs, j'aimerais remercier Candice, là, pour l'organisation, parce qu'on ne l'a pas fait. J'aimerais leur, la remercier, là, tout de suite, parce qu'elle a fait un décor sublime. Elle a très bien organisé le truc. Je suis très satisfait de ses services. On est très satisfait, ma femme et moi, qu'elle ait pu organiser ça. Et surtout, on lui a fait confiance et on a eu raison. Voilà. Vous trouverez tout un tas de petites tables tout autour de vous. Installez-vous. Merci pour ceux qui sont présents, encore une fois. Amusez-vous. Et on est très heureux que vous soyez là. C'est parti, que la fête commence. J'ouvre le bal. Et je précise que la tipjar des mariés se situe à, au fond, entre les deux tables. Oui. Là, tu peux, ça y est. Tout le monde se salit, donc c'est bon, t'inquiète. Oui, tout le monde. T'as dû être dur, Malika. Hein. Oh la vache. Mon cœur, tu la vois, la boule? Attends, je remets mon micro, mais... Elle a dit que ça devait être dur pour toi. Ça devait être dur pour plein de messages en train. On en a parlé tout à l'heure, tu me l'as demandé, c'est votre chanson. C'est pas trop rapide pour moi. C'est moi qui ai monté sur elle, enfin, tu comprends pas, mon frère. Je l'ai jeté sur le lit, tu aurais vu ça, dis donc. Alors, c'est la première danse de monsieur et madame Aboma. Aboma ? Prêt ? Partez ! Merci pour l'éthique. Merci pour l'éthique. Allez, on redémarre les players. Et toutes mes félicitations, mariés. Allez, on n'hésite pas. On vient les rejoindre. Aux couleurs de l'été. Mais je pars, pas avec moi. Car l'amour, ça ne plaisante pas. Pour danser en couple, on clique sur les petits anges. Tu sais jamais jusqu'où ça ira. Oui, je pars, pas avec moi. Ah non, ça c'est sûr. Faut pas trop jouer avec eux. Autrement, faut finir dans les bunkers. Alors si vous les embêtez, vous jouez trop avec eux. Prévoyez vos abris anti-atomiques. Fiancé,
se marier. Je dis pas n'importe quoi. On pourrait faire un bébé. Du bébé. Mélange-toi et moi. Famille, très chers invités, des tentes sont à votre disposition car on nous annonce un avis de tempête de neige.
Donc, ma sœur Lio, pour information, c'est le neveu du cousin, de la cousine, de la nièce, de la tante, de l'oncle. Sistal, bof, Lio, Marc, on clique sur les petits anges et on saute sur les petits cœurs bleus et rouges. Oh,
bien si elle est là, elle est dans la foule. Mélissa, j'ai plus d'un. T'es où là, tu es là? Vite, mais faut expliquer longtemps. Oh non, on est pas là, y a personne. Non, mais c'est normal, il y avait une sortie moto. Non, non, elle garde les batteries du souffleur pour faire le ménage demain matin. Ah, y a personne que c'est la voix d'Adette dans Hélène et les garçons. Si je m'aime. Why should we be using any politician using any politician?
you to reasons that they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a heart like you. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I'm letting nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutters. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. J'imagine même pas, c'est que normalement je perds mes purins aussi. Where's the scat man?
ne soit surtout que pour eux, c'est plus de nous mettre dans les yeux. Je l'enregistre pour mettre sur mon terrain.